Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes vendredi 24 novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie. Sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Alors aujourd'hui, on termine la semaine. Eh bien, avec une carte majeure, le chaos, c'est la carte numéro 16. Et dans le tarot de Marseille, eh bien, ça correspond, cette carte, à la maison Dieu. La maison Dieu, bon, si vous me suivez et que vous savez un peu ce que représentent les cartes majeures du tarot de Marseille, eh bien... Ben, c'est le chaos, mais c'est un bien pour un mal. Tout va tomber, mais pour une renaissance. Voyez, comme le phénix. Alors, l'essence de cette carte, c'est le bouleversement, n'est-ce pas? Le bouleversement, les tempêtes, le changement. Vraiment, une disparition d'états restreints. Les murs qui tombent, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais alors à l'intérieur, voilà, ça va déménager. Mais à l'extérieur, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Et c'est un bien pour un mal. Le message intérieur, la puissance du chaos, eh bien, cette carte, elle vient vous délivrer volontairement ou aussi involontairement d'une situation qui était jusque maintenant très restreinte. Toute objection contre votre destin ne fait qu'aggraver la douleur, et c'est une douleur interne qui est profonde. Avancez maintenant en suivant le courant, et non en le remontant. Moins vous vous éparpillez intérieurement, comme extérieurement, n'est-ce pas ? Plus le changement inévitable se fera facilement et sans douleur. On vous demande d'avoir confiance dans les forces du bouleversement. Ayez confiance dans le chaos intérieur et éventuellement extérieur de votre vie. Vous vous sentirez ensuite, eh bien, plus libre, éveillé et plus ouvert qu'auparavant. Alors, rappelez-vous que toutes les étoiles du cosmos, eh bien, elles sont nées du chaos, n'est-ce pas? Ce n'est que parce que nous ne pouvons pas le contrôler que nous en avons une si grande peur. Le chaos représente en réalité la matière première de toutes les forces de vie du changement. Il ne faut pas avoir peur du chaos. La manifestation extérieure, tout est possible à présent. Mais oui, tout est possible. On peut être dans un chaos au plus profond de soi. Mais n'oubliez pas que nous avons des ressources cachées. Et on ne s'imagine même pas que nous les avons. Tout est possible. Présentement. Les empêchements aussi, bien intérieurs qu'extérieurs, s'effondrent. Sans prévenir. Une puissance élevée vous libère de vos murs. De chaos mentaux créés
par vous-même est souvent très réel. Vous savez, à partir du moment où, où il faut sortir de sa zone de confort que nous vivions, ben c'est le chaos, parce que nous sommes obligés. Ceci peut toucher une situation extérieure, comme par exemple, eh bien, ça peut être un travail hein, qui ne vous convient plus, ou un changement de lieu soudain, ou encore, eh bien, la fin d'une relation, n'est-ce pas? Quel soit l'ordre privé ou professionnel, une relation à laquelle, eh bien, vous ne vous accrochez plus que par habitude, si c'est le cas, il est utile, n'est-ce pas, d'être totalement sincère avec vous-même. Soyez sincère parce que, de toute façon, dans cette thématique que vous vivez à l'heure actuelle pour certains d'entre vous, vous savez à l'intérieur de vous. Vous savez, mais vous avez peur d'ouvrir les yeux. Alors on vous invite aujourd'hui de vous débarrasser de vos vieilles béquilles. Allez, jetez-les, car c'est du chaos, apparemment négatif et angoissant, du bouleversement, que de la place se crée pour le nouveau dans votre vie. Ayez confiance sur le fait que tout se développera pour le mieux. Aujourd'hui, c'est le chaos, ok. Mais vous allez vous relever plus fort que vous n'étiez. Et vous allez être libre, psychologiquement, mentalement. C'est pas facile de prendre cette décision, mais ça sera salutaire. Alors, ayez confiance en vous et du courage et écoutez votre petite voix. Waouh, on termine fort la semaine, n'est-ce pas? Alors, la carte, le petit message de l'oracle de l'évolution. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute, et tu trouveras ton chemin. Belle synchronicité avec la carte du chaos. Je vous souhaite une excellente journée, un très 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 beau week-end. Et puis, même si vous vivez des moments difficiles, dites-vous que demain est un autre jour. Un jour à la fois. Et puis, il faut quelquefois passer par le chaos pour renaître, une renaissance. Courage. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse tout tout fort et je suis en toute pensée avec les personnes qui subissent des désagréments dans leur vie. À très vite.